vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite revue livresque. Oui, vu que vous avez vu dans les chroniques d'une campagnarde que j'avais été achetée à la FNAC, la femme parfaite est une connasse. Donc les filles, nous sommes presque quasi toutes des connasses. Ça c'est génial que... Soit, soit. Trêve d'humour. Voici donc ce fabuleux bouquin. La femme parfaite est une connasse. Écrit par Anne-Sophie et Marie-Adeline. Marie-Adeline, pardon, Girard, qui sont deux jumelles. Et voilà, leur livre est juste exceptionnel. Donc il y en a une qui est humoriste et l'autre qui est journaliste. Voilà. Et elles disent ici, elles ont mis en commun leurs connaissances d'un long travail de recherche, d'enquête approfondie et d'apéro entre copines et nous font part de leurs grandes découvertes qui pourraient bien changer la face du monde. Qui sait? Alors en effet, c'est sûr que ça va révolutionner notre petite vie. Donc voici, aux éditions, j'ai lu, il coûte 5 € à la FNAC. Donc si vous voulez vous le procurer, franchement, c'est pas cher du tout. Donc, la femme parfaite... Coca-Cola, je m'emballe, on se calme. La femme parfaite est une connasse, guide de survie pour femmes normales. Donc, par Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Voilà. Alors, ce bouquin est un petit bijou. Donc, dès que je l'ai acheté, je me suis jetée dessus. Je l'ai dévoré en même pas une heure. Donc voilà, il n'y a jamais grand chose sur les pages, hein. C'est des trucs très, voilà, vous voyez, c'est très très agréable à lire. Et nous allons avoir comme ça, au cours de ce petit bouquin, une vingtaine de petites règles à suivre. Je pense qu'il y en a 30, une trentaine de règles à suivre afin de ne pas être parfaite et de ne pas donc être une connasse ou nous montrer qu'en fait, les femmes que l'on juge parfaites sont toutes des connasses et que nous ne devons pas être comme ça. Donc voilà, donc par exemple, pour vous donner un petit exemple, je vais vous prendre la règle numéro 1. Voilà, on arrêtera de montrer à notre coiffeur la photo d'une mannequin blonde aux cheveux bouclés alors qu'on est brune aux cheveux filasses. Voilà, et c'est vrai que ce sont des choses qu'on fait tout le temps. Qui n'a jamais été chez le coiffeur avec la photo d'une actrice ou quoi en demandant, voilà, je veux lui ressembler, mais non, les filles... voilà, en fait, parce qu'on a l'impression qu'elle est parfaite, et en fait, sur nous, ça va pas du tout, enfin, on se rend compte qu'en fait, on ne ressemble pas du tout au modèle de la photo, et que donc, voilà. Ben, bon, on l'a toute fait, mais il ne faut plus le faire, hein, voilà. Mais alors, on a vraiment des trucs qui sont extraordinaires, ne pas couper sa frange soi-même, ou par exemple, la liste des chansons qu'on aime honteusement, et qu'il faut dire qu'on aime ces chansons, voilà, notamment... Wannabe de Spice Girl ou Femme Like You de Cavaro. Voilà, enfin... Dirty Dancing, The Time of My Life. Enfin voilà, toutes les chansons qu'on aime. Voilà, les règles à suivre lorsqu'on entend une de ces chansons, il ne faut pas hésiter à le faire parce que la femme parfaite n'osera jamais le faire. C'est hurler, j'adore cette chanson, appeler sa meilleure amie pour lui faire écouter en disant tu reconnais cette chanson, c'est la nôtre. Enfin voilà quoi. C'est vraiment génial. Alors ensuite on a aussi... voilà, des phrases où ils sont, qui sont censurées, n'est-ce pas? Il est écrit, voilà, je suis une princesse, et une princesse, ça fait pas caca. Donc voilà, il est écrit censuré par l'éditeur. Donc ça, c'est vraiment génial. Comment réagir devant un bébé qui est laid? Donc par exemple... voilà, contrairement à l'idée communément répandue, tous les enfants ne sont pas beaux, certainement... Certains sont même franchement moches, il y a mon chat qui est en train de s'attaquer au rideau là. C'est cool. Donc certains sont même franchement moches. Alors, un conseil, évitez de trop en dire. Exemple, arrêtez-vous là. Qu'il est souriant, n'ajoutez pas, mais c'est normal tous ces poils. Hein, voilà. Alors on peut dire, alors là, impossible de dire s'il ressemble à son père ou à sa mère. Ça y est, j'ai trouvé, à rien, il ressemble à rien. Enfin voilà, ou alors il est chou. Hein, l'important c'est qu'il soit beau une fois adulte, voilà, ça c'est ce qu'on pense. Mais c'est vraiment génial. Les femmes parfaites aussi qui arrivent à ne pas faire mourir leurs plantes vertes. Voilà, les hontes inavouées, le vernis qui s'écaille, ça c'est moi. La liste des choses interdites en discothèque. Enfin voilà, le langage des textos, ça j'adore. Et vous avez ici donc à chaque fois, je sais pas si vous allez voir, je vais me lever. Voilà, vous avez à chaque fois le petit point, enfin toutes sortes de trucs. Et on vous explique ce que ça veut dire. Et ici, vous avez aussi
avec tous les mots, les bisous, etc. Ce que ça veut dire. Donc, par exemple, si on vous envoie Keys, ça veut dire je veux montrer que je suis cool et que je suis acteur américain, je suis américain ou acteur porno. Enfin voilà, enfin. Big bisous, je suis Carlos. Kill you, je suis un psychopathe. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est génial. Et on a des tas de petites pages comme ça. Et je vous jure, on rit du début à la fin. Règle numéro 17, celle-là, je l'aime bien. On arrêtera de répondre dans ton cul. Parce que ça m'a fait rire, parce que je connais quelqu'un qui répond toujours et où, dans mon cul. Enfin, donc, ouais. Donc ça me fait vraiment rire. Mais franchement, voilà, c'est vraiment, c'est un bouquin que je vous conseille. Si vous voulez passer un bon moment et vous rendre compte que les femmes parfaites ne sont peut-être pas aussi parfaites qu'elles en ont l'air, et que de toute façon elles sont des connasses et qu'on ne veut certainement pas être connasse, et si vous êtes parfaite, eh bien vous apprendrez comme moi que vous êtes une connasse. Mais moi je pense que de toute façon toutes les filles sont des connasses, vu que pour moi toutes les filles sont parfaites. Donc voilà, ben, ça nous apprend un peu plus sur nous dans ce cas, mais franchement si vous l'avez jamais lu, ce livre est assez exceptionnel. Et je sais notamment aussi que le magazine Mademoiselle a rencontré les auteurs de ce bouquin. Et donc je pense que je vous mettrai le lien de leur vidéo en barre d'infos afin que vous puissiez un petit peu voir comment elles l'ont réalisé. En tout cas, moi c'est vraiment, voilà, je vous dis, c'est le bouquin à avoir pour une fille qui est super facile à dévorer dans le train, chez vous, en 1 heure, avant d'aller vous coucher. Vous pouvez vous lire La femme parfaite est une connasse. Et bien donc. Je vous dis à très bientôt les filles pour une prochaine vidéo. À très bientôt les garçons si vous avez envie de savoir si vous connaissez une femme parfaite, vous pouvez aussi le lire pour voir qu'elle est une connasse. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes une connasse, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert en dessous de ma vidéo. Bisous!